Yeah! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, une personne qui me suit m'a dit que gérer son téléphone via Linux Mint, en l'occurrence l'environnement de bureau XSE, eh bien ça fonctionnait pas. Je lui ai dit, mais ça fonctionne pas, ou ça fonctionne à moitié. Il m'a dit, bah si, non, ça fonctionne, mais c'est bof bof. Et je lui dis, écoute, je ne saurais pas à te dire. Comment tu ne saurais pas à me dire, tu ne gères pas ton téléphone, tu ne connectes jamais ton téléphone à ton système? Eh bien non, que ce soit en USB ou en Bluetooth, je n'accède pas à mon téléphone ainsi. J'utilise les systèmes de cloud comme OneDrive, comme Google Drive. Et oui, désolé, c'est proprio, mais rien à cirer. J'utilise ce qui fonctionne bien. Désolé pour la sonnerie du téléphone. J'utilise quoi encore? OneCloud. Mais voilà. Donc, ben, je vais tester. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, ce que je vais faire, je connecte l'USB type C au cul de mon smartphone. Alors, l'autre extrémité, d'abord, je vais démarrer Tunar. L'autre extrémité à la caisse desktop. On peut voir que Samsung Android vient d'apparaître. Je clique. J'ai un message sur mon smartphone. Autoriser l'accès aux données du téléphone. D'ailleurs, je vais prendre une capture. Voilà. J'autorise. Je reclique. Yeah! J'ai bien accès. Ben, j'ai bien accès donc à la carte micro SD et au téléphone. On va d'abord voir avec le téléphone ce que ça donne. Ben écoutez, je rentre dedans sans problème. Picture. Évidemment, ouais, j'ai rien là-dedans. J'ai aucune image, rien. Donc ce que je vais faire image. Je sais pas, moi là, je vais prendre celle-là. Non, je vais prendre le wallpaper là, tiens. Les deux. Allez, pas de jaloux. Je copie, je reviens sur mon téléphone, phone, picture, je colle. Écoutez, pour moi, ça fonctionne. Ben, du moins jusque maintenant. Si je fais ceci, clic gauche maintenu, je lâche sur le bureau. Yeah, ça fonctionne. Je resélectionne, clic droit, je coupe, je colle. Désolé pour le ding. Il détecte que les fichiers existent déjà. Je vais tous les remplacer. Ça fonctionne. Est-ce que je peux ouvrir directement une image qui se trouve dans mon phone? Oui. Nickel. Est-ce que je peux passer à la suivante? Oui. Splendide. Nickel. Est-ce que je peux les supprimer? Oui, je reviens en arrière. Qu'est-ce que j'ai de beau? Ben, j'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Ça fonctionne. Regardez, là, je suis dans le système. Il n'y a pas de souci. Je reviens à la racine. La carte SD maintenant. Parce que si ça pose souci, à mon avis, c'est ici. Je vois musique. MJ. Michael Jackson. Yeah! On va faire la même chose. Je vais prendre deux musiques. Clic gauche maintenu. Je lâche sur le bureau. Ça passe. Nickel. Je resélectionne. Clic droit. Couper. Je colle. Il me dit que les fichiers sont existants. Remplace tout. C'est bon. Est-ce que je peux lire directement un fichier .mp3? MP3. Qui se trouve sur la carte SD. On va voir. Ouvrir avec Celluloid. Nickel! Ça fonctionne. Bah écoutez, pour moi, ça fonctionne. Ouais. Image. Tiens, attends un peu. Propriétaire, image.
Oui, là, ce sont des grosses, grosses, grosses images. Est-ce que... Attendez, je vais faire copier. Carte. DCIM. Ça, j'avais déjà. C'est rien, je colle. Ok. C'est dedans. Double-clic. Ah. Ça apparaît. Ça a mis un peu de temps, mais ça apparaît. On va voir si je peux ouvrir une image. Ouh, là c'est lent par contre. C'est lent. Mais la résolution est élevée et le poids des images aussi. Ok, mais ça fonctionne. Maintenant, je reviens à la racine. Carte. DCM. Caméra. Non, 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 attendez. J'ai pris une capture tantôt. Picture. J'ai pris une capture. Ah, mais où est-ce qu'elle est partie se mettre? Data. Merde. Phone. DCM. Screenshot. Voilà. Voilà, voyez, autoriser l'accès aux données du téléphone 21h58. Ok. Qu'est-ce que je l'ai encore montré, moi? Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai oublié. Ah oui. Phone. Non. Carte. DCIM. Caméra. Et on va voir. Je vais faire une photo. Voilà. Je prends une photo de la machine. Où l'USB orange est branché. Mais voilà, écoutez, pour moi, le test est concluant. Donc, j'arrête là. Pour moi, ça fonctionne. Maintenant, voilà, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Mais écoutez, pour moi, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, sur certaines images assez conséquentes, donc au niveau de la résolution et du poids, c'est un peu lent. Attention, c'est un peu lent sur la carte SD. Maintenant, regardez. Attendez, je vais remettre un peu d'or dans mon téléphone. Carte. DCIM. Ça, je peux supprimer. Voilà. Je vais aller dans Images. Je reprends le même dossier, je copie, mais je vais aller dans le téléphone, picture, je colle. Là, on n'est plus sur la carte micro SD, mais dans le téléphone. On va voir. Ouais, ça met quand même un peu de temps à s'afficher. Donc, ce n'est. Voilà, je pensais que c'était du fait que je travaillais sur la carte SD, mais non, même sur le téléphone. Ça met du temps. Je devrais peut-être demander à ne pas afficher les vignettes. Ça, c'est un réglage dans Tuna. Voilà. Bon, sinon, écoutez, ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux, allez! Ciao, ciao!